Mais oui, Gordon Deza avec Alexandre. C'est qui Alexandre? C'est toi? Avec Alexandre Deza et Antoine Deza pour vous présenter en exclusivité mondiale et même intergalactique grâce à un ami qui travaille dans une boutique, mais j'ai pas le droit de dire qui c'est. Vous comprendrez pourquoi. En exclusivité mondiale, la sortie de la PS1 Mini classique. On vous présente ce produit qu'on vient à peine de recevoir et de tester de suite après le générique. Eh oui, on vous a bien vu parce que c'est pas vrai. Ce n'est pas une PS1 Mini, c'est juste une boîte, hein, style Steelbook. Ok, et une manette qui n'a rien à voir parce qu'en plus ça c'est une DualShock, alors qu'avec la PS1 Mini ce sera pas une DualShock, ça va être une PS1 normale qui sort le 3 décembre pour le prix de 99€ que vous pouvez déjà réserver sur Cdiscount ou Micromania. En fait, on va juste vous présenter ce que nous avons eu pendant ce mois de septembre au vide-grenier. Mais aussi quelques achats en dehors des vide-greniers et des dons qu'on m'a fait cette semaine et dont je suis très content. Donc on va commencer par le vide-grenier, Antoine. Alors 5 jeux, on va commencer par un jeu 3DS complet Titanic, Meurtre sur le Titanic, Murder on the Titanic, hein, c'est marqué en VO dessus, mais c'est bien ce jeu-là qui est à l'intérieur. Donc sur 3DS. Ensuite, Gun, un jeu de cowboy en 3D. Apparemment, faut tuer d'autres cowboys. Voilà. Des Indiens. Et peut-être des Indiens. Bon, qui veut gagner des millions avec sur PS2, hein, l'autre jeu aussi, c'est sur PS2. Qui veut gagner des millions, donc avec Jean-Pierre Foucault modélisé en 3D. Ça fait un peu bizarre. Il aurait mieux fait de faire des captures de lui, quoi, en vrai, quoi, à la caméra. Toujours sur PS2, Scrabble Interactive, hein, histoire de, si vous vous emmerdez, de jouer au Scrabble. Je l'avais aussi sur PS1. Je me suis dit, tiens, on va voir ce que ça vaut sur PS2. Et un petit jeu de voiture, comme j'aime bien les jeux de voiture sur PS2, vu que j'ai un simulateur automobile. Ouais. Donc c'est Master Rally. Et on est riche. Ouais, vous êtes tellement riche que quand vous avez qu'une PS2. Tiens, alors... Non, la PS4. Ouh, qu'est-ce qu'il est riche. C'est la foutue. Ensuite, alors tout ça, je les ai eu pour... 5€. Non, 8€. 8€ le tout. Alors, sur un autre stand. Ah, sur un autre stand... Juste pas très loin, à 10 mètres de ce même stand, j'ai vu ceci. Alors ça m'a intrigué, au début je croyais que c'était une trousse, mais en fait c'est une housse pour PSP. Voilà. Une housse NBA Spalding, un produit, pas Spalding, NBA tout court, mais ça a la couleur d'un ballon Spalding. Voilà. Okay. Sympa. Pour 2€ seulement. 2. Ensuite ça c'est... quelque chose que j'ai commandé pour une 15 € sur eBay. En fait, c'est un sac à conga. Hein, et dedans, vous pouvez mettre des congas. C'est un sac que je vais utiliser pour la journée rétro gaming. Regardez. Alors, soit on peut mettre deux congas, soit vous avez de quoi mettre la console aussi. Hein. Vous pouvez faire tenir la console. Voilà, avec un conga au choix. Hein, et vous pouvez du coup transporter tout ça sur votre dos, parce que hein, voilà, vous avez les lanières, c'est un sac à dos. Donc Donkey Konga pour 15€ sur eBay. Ensuite, autre petite affaire sur eBay, pour même pas 10€, je l'ai eu pour 8€ et des poussières, 8,50€ il me semble, une console Pong Univox, vous l'avez peut-être vu sur... je l'ai présenté sur la page Facebook de Sudcorse Retro Gaming. Donc c'est une console Pong hein, qu'il faut tester. Hein, j'ai pas d'alim, elle est un petit peu sale, un petit peu légèrement abîmée. Alors ce qui est marrant, c'est les manettes. Elles sont métalliques en dessous et avec une molette très sympa. Mais ça m'a l'air plus solide que l'autre Pong qu'on avait, donc la Télé Score de Seb. Ça m'a l'air quand même plus solide, fabriqué aussi en Corée.
Et donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, parce qu'on va essayer de faire une vidéo sur la rénovation de cette machine. Oui. Donc prochainement, et en test sur une télé cathodique, j'espère, dans les conditions d'époque. Oui. Pourquoi les petits toits, Charlie ? À toi. Et toi aussi, pourquoi tu dis des trucs pour rien dire ? Parce que j'aime bien. Bon, maintenant, les dons. Alors ça, c'est des amis qui ont trouvé ça chez... Non, dans une boîte où il y avait plein de trucs. Hein, ils m'ont donné ça. C'est un jeu, le livre de la jungle. Alors, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble, c'est assez bizarre. Walt Disney, le livre de la jungle, Groove Party, et le jeu d'action et de danse qui te fera vivre et revivre toute la magie et tout le plaisir de Disney. Danse aux côtés de tes personnages. Alors, ça fait peur, moi j'ai pas envie de danser, déjà que j'aime pas la danse. Bon, bref, j'ai surtout pris pour la collection, hein, évidemment, vous aurez bien compris. Hein, on me l'a donné gratuitement, j'avais pas refusé. En édition Platinum, avec la notice. Ça va, la boîte n'est pas trop abîmée. Ok, dernier truc pour le sac que m'a donné mon ami Christophe. Alors là, il y en a deux choses. On va commencer par ça. Qu'est-ce que c'est? Une alim. Voilà, une alim de PSP. Voilà, pour une fois qu'il dit autre chose que ouais. Ouais. Ça, qu'est-ce que c'est? Une alim. Ça, qu'est-ce que c'est? PSP, une autre PSP. Ouais, et quand vous dites tout en même temps, on comprend rien. Si, PSP, jeu, voilà. Et là, c'est pour mettre les jeux, donc voilà. Une housse un petit peu abîmée, bon, bref. Ouais, abîmée. C'est dommage. Je préfère utiliser celle en forme de bande basket. Alors, ça, c'est une alim de... DS. De DS, et oui, c'est une DS. Voilà, une petite DS dans cette petite coque magique. DS blanche. C'est une nouvelle? Ouais. Ça fait 5 DS. Ouais, à peu près. Et là, il y avait un jeu Professeur Layton, Destin Perdu. Ah, je connais. Vraiment fun. Ah oui. Ça, c'est une alim. Une alim qui a rien à voir. Hop. Ensuite, en jeu DS, justement, avec la DS. Oh, des jeux DS. Mais oui, des jeux DS. Incroyable, n'est-ce pas? Ça, je suis sûr qu'il y a. Ouais. J'en sais rien, sur une Game Boy, essaye. Il y a marqué Nintendo. Professeur Layton, la boîte de Pandore. Professeur Layton, l'appel du spectre. Professeur Layton, va aux chiottes. Non, là c'est Final Fantasy 3. Final Fantasy 3. Et un petit Zelda. Zelda Spirit Tracks. Zelda Spirit Tracks. Pas dire l'anglais. Oh. Allez, tu vas Zelda. Tu t'en fous? Bah, je, tu me le donnes alors. Je le revends. 5 jeux. Non, 6 jeux PSP. Alors, Need for Speed Undercover, donc un jeu de voiture. Need for Speed. Qu'est-ce que j'ai dit? Need for Speed. Non, Need for Speed. Need for Speed, stupid idiot. Star Wars, le pouvoir de la force. Force. Sega Rally, je crois qu'on l'avait déjà, non? Sega Rally. Metal Gear, Peace Walker. Metal Gear. Lemmings, en édition Platinum. Lemmings. Et PES 5, un jeu de foot. Et un jeu de merde. Ah, il y a encore deux autres jeux de foot, PES 2009-2008. De la merde. C'est des jeux de foot, c'est pas de la merde. Si, c'est nul. Alors voilà, mes neveux ont dû partir entre temps parce que c'était l'heure de rentrer, il était un petit peu tard. Il me reste 5 minutes pour vous présenter les derniers jeux qu'on a rentrés. Donc, Gran Turismo 4 sur PS2. Bon, PES 2009, hein. En plus on l'a eu sur PSP, donc ça me fait un petit peu doublon, mais voilà, au moins je l'ai sur PSP et sur PS3. Burnout Paradise, un jeu de voiture sur PS3, donc. Et encore 3 jeux sur PS3, Assassin's Creed, le premier, voilà. Virtua Tennis 4, alors j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets sur la caméra, là, parce que je vois pas trop, j'ai pas de retour vidéo, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est une nouvelle caméra. Et en édition Game of the Year, Batman Arkham City, avec en bonus le chapitre final d'Harley Quinn Revenge.
Donc voilà. Donc merci de nous avoir suivis. Désolé de la précipitation sur la fin de cette nouvelle vidéo. On vous prépare normalement pour la prochaine fois. Ce sera vraiment la bonne. Ce sera pas un live, mais une vidéo pour les 1000 abonnés et pour le premier anniversaire de la chaîne. Merci de nous suivre, d'être toujours plus fidèles. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Donc.